Hello les filles, je m'apprête là. Je suis à mon rendez-vous, je vais aller m'épiler. Nous sommes mercredi. J'ai commencé à vlogger hier avec mon portable parce que j'arrivais pas à charger ma caméra. Mais bon, là, ça y est, c'est bon, c'est fait. J'ai pu charger ma caméra, donc je reprends avec. Bon, je mets mes lunettes Tom Ford et un peu de soleil. Je suis pas maquillée. Attendez. Casquette New Balance, ensemble Nike. On va mettre un peu de gloss sur les lèvres. Donc là, je m'en vais faire mon épilation de la petite cocotte. Aujourd'hui, je serai à la maison. Je dois faire du contenu pour YouTube. Demain, j'ai des petits cours à faire. Moi, je devais aller capter Edwige, mais je pense pas qu'on pourra se voir parce que le restaurant où je voulais qu'on parte, c'est fully booked, on voulait se voir pour dîner parce que depuis je ne l'ai pas vu. Et donc je sais pas si on va toujours se voir demain, mais demain j'ai quand même besoin de faire quelques courses. Vendredi je vais en staycation dans un hôtel. Donc je me prépare pour aller là-bas parce que je vais faire du contenu là-bas. Essayer de faire du contenu au max là-bas. Et voilà, donc là je m'en vais faire mon application, je vais rentrer. Aujourd'hui c'est dingue, on est déjà mercredi en fait, parce que c'était férié tout le week-end, c'était bank holiday lundi, c'était, enfin c'était pas férié tout le week-end, qu'est-ce que je raconte? C'était férié lundi, et il est 10h30, faut que j'y aille. Je vous expliquerai un peu la petite story un peu après, et on va aussi revenir sur ma dernière vidéo, parce que j'ai eu pas mal de retours de votre part, beaucoup de personnes qui sont à l'étranger, qui ont partagé leur expérience, ça fait plaisir. Et beaucoup de filles aussi ont souligné, en fait, le point, ma pensée, en fait, en commentaire. Donc voilà. J'ai mis mes bagues de chez Monica Vinader. Voilà. J'ai rien mis en dessous. Hein. Je vais juste m'épiler. Et, ok, let's go. À la maison, il faut que j'en aie mes tresses. Moi, il fallait que je fasse ça demain ou aujourd'hui. Moi, je suis rentrée, je me suis épilée, je fais quelques courses, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai acheté des donuts pour les enfants. C'est des donuts de chez Marks & Spencer à base de sucre. Ça a le même goût que les beignets africains. J'ai pris deux paquets pour goûter les enfants, du jambon. Les sandwichs, du poisson, ça c'est pour ce soir, je vais mettre ça au four tout simplement. Du bar avec, il y a quoi à l'intérieur? Des olives et des tomates rôties allemandes. Kombucha que je vais boire là maintenant. Voilà, je suis obsédée par cette boisson, c'est trop bon. Du riz que je vais manger ce soir avec le poisson, du riz au lait de coco, du brie, que je devrais arrêter mais je suis obsédée, du beurre, du pain, encore du pain, des brocolis pour ce soir, boulettes de viande pour ce soir, brocoli, poisson, riz, ça sera pour moi. Et je vais faire des boulettes de viande avec... des linguines pour les enfants, mozzarella. J'ai envie de faire une salade de tomates mozzarella. Je vais manger ça tout de suite là. Je vais manger ça. Des galettes de riz. Voilà. Donc là, je vais faire tourner mon autre machine. Vendredi, je ne peux pas aller avec comme ça à l'hôtel. Voilà. Il faut que j'enlève les tresses et que je me fasse des notes. Je vais ranger mes courses. Faire à manger et je vais vous reprendre, si je vous reprends pas aujourd'hui, demain, voilà. Bonjour tout le monde, donc là c'est un nouveau vlog. Nous sommes jeudi, j'ai pas vlogué depuis. Donc en fait j'ai séparé le vlog du week-end, donc quand je passais la nuit à l'hôtel avec un autre vlog. Là c'est la suite, donc là je suis venue à HomeSense. J'ai besoin de verres et d'assiettes.
et un panier à linge, mais ils n'ont pas de panier, le même panier à linge que j'avais. Ils ont beaucoup de choses. J'ai rempli mon caddie avec des conneries en fait. Plein de choses dont je n'ai même pas vraiment besoin, parce que je ne suis pas venue pour ça. Mais j'ai pris des draps parce que c'est important d'avoir des nouveaux draps. Là, je suis à la recherche de verres et d'assiettes et de bougies. Voilà, donc là, je suis... Je suis venue voir en fait s'ils n'avaient pas les mêmes verres en fait qui sont un peu trendy, un peu actuellement partout. Parce que Zara les fait, mais ils sont toujours un peu plus chers, Zara. Donc c'est toujours une bonne idée de venir à Houssins pour voir les options. Quoi. Je suis venue direct après avoir déposé Destiny à l'école. J'ai vu ce panier là qui est plutôt pas mal. À linge. Mais ça va pas vraiment avec ce qui est dans ma douche en fait. Donc voilà, donc là je finis de faire mes courses et je vous reprends quand je serai à la maison. C'est aujourd'hui là que je vous parlerai du concours que je vous ai promis depuis. Voilà, je le ferai plus posément au lieu de le faire dans le rush. Parce que depuis je vous ai promis un concours et je vous montrerai les produits qui sont à gagner. Voilà, donc là je vais aussi regarder des gamelles. Les gamelles en verre en fait. Mais non, non pas. Donc je pense que c'est à Ikea que je vais aller les prendre. Parce qu'à Ikea ils ont ça. Ah, les gamelles comme ça, mais en bas, en fait, c'est en vert. J'ai mis mon ensemble jaune de Zara aujourd'hui. Il fait plutôt beau. Et j'ai mis mon sac. Mon sac jaune. Enfin, c'est pas mon sac, c'est ça qu'a ma mère. Et je le squatte depuis, parce que j'aime bien la couleur. Alors, je pense qu'il me faut un sac de cette couleur-là. On reprend tout à l'heure quand je rentre à la maison. Ok. Ok, donc là je suis rentrée, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris, parce que là il faut que je finisse mon montage. Normalement je dois me capter aujourd'hui avec Edwige, on doit aller se voir, on doit aller manger ensemble. Mais elle m'a pas fait signe depuis les 10h, 11h, elle m'a pas encore fait signe. Donc il faut que je finisse mon montage de ma vie, de mon vlog en fait, parce que ça prend plus longtemps que prévu. Voilà, donc du coup j'ai pris ces verres là, j'ai pris 4 verres assez... sympa la forme, j'ai trouvé ça mignon. J'ai pris 4 verres comme ça. Des verres de tous les jours pour boire de l'eau ou bien tout simplement du jus. J'ai pris 4 verres comme ça. En fait, c'est pas ces genres de verres que je cherchais, mais ça c'est déjà pas mal. J'ai pris un drap comme ça. J'en ai pris deux comme ça. Une housse de matelas. J'ai pris deux housses de matelas comme ça. J'ai pris des petites tasses comme ça là pour le café. Moi je bois pas de café, mais mon chéri boit du café. La caméra là il y a un problème. C'est en mode. Voilà. Bon, j'espère que c'est les bonnes tasses. Si c'est pas bon, de toute façon je rendrai. J'ai pris ça parce qu'il boit de l'expresso, je crois. Je crois qu'il boit expresso ou bien du café noir. Et voilà, avec la machine, ça c'est bon. Allez, j'ai pris ça. J'ai pris des bougies, celle-là je vais la mettre tout de suite. Je sais pas, celle-là je pense que je vais la laisser dans la cuisine. C'est à base de Sun Match Citrus. Je trouve qu'elles sont super super bonnes. Les bougies Sandfog en fait elles parfument super bien. Et je trouvais que l'emballage il était super joli parce que je trouve que les autres emballages j'aime pas trop comme ils ont écrit Sandfog dessus. J'ai pris ça. J'en ai pris une autre ici, donc ça c'est à base de Clove and Cypress. Comme ça, celle-là, peut-être que je vais la laisser sur la table, ou au salon, ou dans ma chambre, histoire que ça sente bon. J'ai pris ça, je crois, c'est pour mettre les pattes dentifrices ou bien les cotons-tiges pour la douche. Voilà. Et ça, ça sera pour mettre ben, le savon. Voilà, c'est matchy-matchy. Et comme vous avez dit, c'est un thème noir. Voilà, ils n'ont toujours pas restocké les étagères que je veux acheter. Je vais jeter un coup d'œil même aujourd'hui pour voir si jamais ils ont restocké ça. Et le reste, c'est tout ce qui est hygiène. Donc j'ai pris des brosses, des pâtes dentifrices, Oral-B, c'est ce que j'utilise. Depuis que mon dentiste m'a conseillé ça, j'ai pris du bain de bouche, ça pour Destiny, pour moi.
la crème. Les picards. Pour celles qui me demandent toujours, j'utilise soit ça ou soit la baume de chez Bioderma. Ils sont super bien de toute façon. Et du déodorant. Voilà. Ça, je vais allumer la bougie là direct. Là. Voilà, voilà pour mon petit haut. Là, je vais un peu mettre de l'ordre. Parce que je suis sortie depuis le matin. Je vais faire mettre de l'ordre et continuer mon montage. Voilà, donc Edwige, normalement la réservation est pour 15h. Normalement, si je dois me préparer, c'est vers 11 midi. Donc là, il me reste une heure pour pouvoir finaliser mon vlog en fait. Voilà quoi. Voilà, voilà. À tout. Faut que je charge ma caméra. J'ai même pas mis de fossiles. Bon, ça y est, je suis avec Edwige finalement. Elle a répondu. Elle a répondu, mais bon, j'ai pas eu le temps de faire mes sourcils. Donc, mes cils en fait. J'ai pas mis de mascara ni de faux cils. Je ferai ça dans le restaurant. Bon, là, on va aller manger là. Manger là. What is it? Is it a dinner? It's dinner. Well, babe. Yeah, it's dinner. On va dîner à 16h et quelques. Mon premier repas de la journée. Elle est vraiment proche aujourd'hui, hein? Hein? Yes, darling. Je dirais qu'elle habite dans le quartier. J'habite ici. Moi, je suis très colorée, là. It matches well, though. President, rolling, I'm from Paris, babe. Je suis venue de Paris, hein. Je rentre demain avec l'Eurostar. Tu me fais visiter. I think you are the so best waitress here. Me? Yes. Wow, what pleasure. What an honor. This takes a little while. Yeah, I'm really enthusiastic. If I'm not enthusiastic, there's no point being here. Right? You've got to be enthusiastic. You've got to love your job. Yeah. Ok, on a fini de manger là. Pas beaucoup vlogué parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu Edwige. Donc j'ai profité. Oh mon dieu, la musique. Are you drunk? Mind your own business. J'ai amené Edwige dans un nouvel endroit là. Elle respire plus là. It's Versace. Not. Morning. Bonjour, on est vendredi. Je suis rentrée hier soir vers les coups, je crois, de 22h. J'ai plus vlogué après. Quand on a fini de manger, honnêtement, j'ai beaucoup plus profité du moment que de vloguer avec Edwige parce qu'on s'était pas vu depuis. Quand je vlogue et que je pars manger, je préfère vous montrer l'endroit, vous montrer la nourriture, ne pas trop parler et tout. Surtout si j'ai rien à dire, surtout quand je suis avec quelqu'un. 10 minutes pas hier. Voilà, donc on a marché jusqu'à Harrods. Bon, c'était quoi, 20 minutes de marche à pied. Et on s'est retrouvé à Harrods dans l'événement Fendace. Donc en fait, Fendi et Versace, ils ont fait une collaboration actuellement. Je crois que c'est une édition limitée. Moi là-bas, Edwige, j'ai rencontré sa tante qui est allée là-bas, qui est une grande fan de Versace et qui a été invitée. Donc nous sommes allés avec elle. Et on a tout simplement passé la soirée là-bas.
On devait prendre des photos, on n'a pas pris de photos de nos tenues. On voulait aller boire un verre, ben, ça tombait bien, on est parti finalement boire nos verres à l'événement. Et ensuite, je suis rentrée. Là, on est vendredi matin, il faut que je puisse vous poster le vlog du week-end passé. Nous sommes déjà vendredi, donc ça fait une semaine que j'ai fini de vlogger ce vlog-là. Donc, comme je vous disais, j'ai préféré séparer le vlog de l'hôtel et de la semaine, parce que j'avais commencé à vlogger de tout ce que j'ai fait la semaine passée, pour avoir de toute façon un contenu différent. J'ai reçu aussi des habits, j'ai fait du shopping aussi chez Zara, et je ne sais pas si je dois l'intégrer dans ce vlog ou faire tout simplement une autre vidéo, mais je crois que je vais faire une autre vidéo. Donc je voyage dans quelques jours, je vais repartir sur Paris, je vais refaire du contenu aussi sur Paris cette fois-ci. Pour ceux qui se demandent si je vais m'installer à Paris, franchement pour le moment j'ai pas pris de décision, mais c'est plutôt négatif pour le moment. Voilà, donc on verra bien par la suite, mais voilà. En tout cas, vraiment merci beaucoup à toutes celles qui ont donné des retours et tout sur ce sujet-là. Beaucoup compliqué quand vous avez plus 20 ans et de pouvoir en fait tout changer, parce que c'est comme si vous reprenez tout à zéro, même si je suis née en France. J'ai grandi en France, j'ai quitté la France, je crois que je devais avoir quoi, 20 ans quand j'étais dans ma vingtaine d'années. Là, je suis dans ma trentaine d'années, donc du coup, voilà. Je pense qu'à un certain moment, de toute façon, à chaque anniversaire, à chaque année, de toute façon, tout le monde fait le bilan de sa vie et essaie de voir un peu où est-ce qu'il en est. Et souvent, c'est un peu quand même difficile de pouvoir changer comme ça de vie dans un autre pays. Il faut vraiment prendre le temps avant de prendre une décision radicale. Voilà, donc je vous ai dit aussi que j'allais faire le concours dans ce vlog-là. Là, je vais finir toute la vidéo, la poster, faire à ce que tout soit bien, parce qu'en fait c'est en train de me casser les... En fait le truc c'est que si vous avez un ordinateur un laptop comme ça, donc un MacBook Air, même un ordinateur normal, et que vous utilisez en fait iMovie ou Final Cut Pro, honnêtement il ne faut pas mémoriser les vidéos ou télécharger les vidéos de vos contenus sur votre ordinateur, parce que ça va le ralentir et ça va le bousiller. Donc en fait là moi tout est sur mon disque dur, mon disque dur est déjà plein, donc il me faudrait un disque dur avec une plus grosse quantité, parce que je vlog énormément, je filme beaucoup. Donc voilà, donc en fait le truc c'est que ça rame et je n'arrive pas en fait depuis à finaliser le montage pour pouvoir l'éditer. Donc en fait moi j'ai acheté ces disques durs externes que je vous mettrai le lien tout juste en bas, j'ai pris chez Amazon, et j'ai aussi acheté cet adaptateur là, parce qu'en fait quand vous achetez le MacBook Air, vous n'avez aucune possibilité de pouvoir brancher tout ce qui est carte mémoire ou clé ou carte ou bien une entrée USB. Vous avez que ça, l'entrée j'ai oublié si ça s'appelle UCB ou USB quelque chose. Donc vous n'avez que ça, vous avez juste deux entrées. Donc j'ai acheté ça, et quand je mémorise en fait mon projet, je fais toujours en sorte que ça reste en fait sur, que ça soit enregistré sur mon disque dur là-ci. Ça va pas focus là. En fait, télécharger un projet sur le disque dur externe. Et en fait, maintenant, ce que je voulais faire, je ne voulais plus en fait effacer mes vidéos. J'ai envie de les garder en fait, parce que c'est quand même mon travail et c'est bien d'avoir des souvenirs en fait. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que je rachète un nouveau disque dur. Celui-là, c'est un 1 TB. Je crois qu'il m'en faut 2 TB ou bien 3 TB ou 5, je sais pas. Parce que j'ai besoin de garder tout ce que je fais quoi. C'est du travail que je fais. Je prends mon temps pour éditer, je prends mon temps pour mettre la musique. Je regarde mes anciennes vidéos, ça me touche, ça me fait bizarre. Je vois l'évolution, je vois comment mes enfants ils ont grandi. C'est un truc de dingue. Tout ce que je veux. Il y a beaucoup de choses qui bougent de mon côté. Et ça me fait énormément plaisir. Les choses souvent prennent le temps, mais les choses viendront à vous au moment donné. Donc là, je vais finir mon montage et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer les pièces que les produits en fait que je veux vous offrir pour vous remercier de votre soutien sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller me suivre aussi sur Instagram et TikTok. TikTok, je suis beaucoup plus active, partage beaucoup de routines. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas si vous avez des questions, des vidéos que vous aimeriez voir plus ou des choses que vous aimeriez plus voir dans les vlogs, et je répondrai à vos questions ou à vos attentes. Voilà, à tout de suite. How you gon' wear my shirts when the lights run deep? How you gon' be as your love when the bed don't sleep? TP fresh up, feelings in the middle of the street.
Nous sommes dimanche, je dois poster aujourd'hui, vous avez l'ordinateur qui est là. J'ai fini de mon poste d'éditer, c'est juste ce petit bit là qui reste que je vais éditer pour la fin. Donc là je vais vous montrer, donc le concours sera ouvert à partir d'aujourd'hui pour le concours du 15 mai et jusqu'au 29 mai. Donc le 29 mai je donnerai la gagnante ou l'eau la gagnante du concours. Tout ce qu'il faut faire, il faut simplement être abonné à ma chaîne, être abonné à mon compte Instagram et aimer tout simplement la dernière photo qui est sur mon Instagram et écrire en commentaire que vous participez sous cette vidéo. Donc tout simplement, ça c'est la partie de l'eau que je vais faire. Il y aura deux gagnantes que je vais choisir parce qu'il y a beaucoup de produits de soins et aussi d'autres produits mais que je ne dirai pas. Je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui. Donc voilà, donc vous avez deux sets ici. Donc vous avez un set de chez Pixi, donc c'est un set de vitamine C. Donc vous avez des lingettes démaquillantes, une crème éclaircissante, un tonique éclaircissant et une et un masque éclaircissant. Et là vous avez un Pixi Milky. Donc c'est les mêmes produits que vous avez mis, sauf qu'ici c'est apaisant. Voilà, donc là j'ai deux coffrets comme ça. Ensuite ici vous avez beaucoup de produits. Beauty Sleep Cream, une crème pour le soir. Là vous avez un gel teinté pour le visage. Ce sont mes teintes, hein. Donc voilà. Vous avez un mascara de chez Pixi. Qu'est-ce que c'est ça? Donc là vous avez quoi? Un autre blush de chez Pixi. Il y a du maquillage en fait, des soins. Un sérum à base de jasmine, de l'huile de jasmin. Il y en a deux lotions comme ça que j'offre. Donc une vitamine C et l'autre je crois c'est... J'ai oublié, mais il y a deux lotions comme ça que j'offre. Et là vous avez un autre gel. Oh là, il y a de la poussière. Un autre gel hydratation. Et un autre skin tint. Et il y a aussi deux nettoyants visage que je vais offrir aussi. Donc voilà. Ainsi que d'autres produits. Vous avez deux semaines pour pouvoir participer. Il faut tout simplement être abonné à ma chaîne. Être abonné à mon compte Instagram. Et commenter la dernière photo de mon Instagram. Que vous allez voir quand vous allez tout simplement regarder cette vidéo. Et laisser un commentaire comme quoi vous participez en bas de cette vidéo. Donc là ce que je voulais vous montrer, les dernières pièces que j'ai reçues. Mode. Nous sommes dimanche soir, là j'ai déjà pris ma douche, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai préparé, j'ai fait du bon rôti au poulet, du riz sauté, du riz gras, un peu de légumes sur le côté. Lessie est en train de prendre son bain et là je me suis dit il faut que je finisse ma vidéo. Il va être presque 18h mais la vidéo je pense que je vais la poster pour 19h, c'est toujours plutôt pas mal. Et voilà. Donc je voulais vous montrer quand même les dernières pièces que j'ai chauffées chez Zara avant de vous faire le haul, parce que j'attends de recevoir d'autres affaires avant de vous faire un haul. Il est de tenue. Aujourd'hui je fais un temps crabe, je vais sortir pour shooter mais il a plu toute la journée. Hier j'ai pas pu. Donc j'ai pris ce t-shirt là tout simplement parce que j'ai acheté, j'ai même pas encore essayé, j'ai acheté un pantalon rose en fait. Donc j'ai pris un t-shirt comme ça en taille extra large. Un simple t-shirt comme ça que je peux porter avec un pantalon pince ou bien avec... une jupe ou bien avec un jean. J'ai pris un pantalon comme ça, un haut comme ça. J'ai pris ce pantalon là, j'ai acheté la veste qui va avec, sauf que je trouve que il est un peu trop grand pour moi. Je l'ai porté la dernière fois quand je suis sortie avec Edwige, je l'ai pris en extra large, mais il descend énormément parce qu'en fait c'est un genre de pyjama en fait, l'extra large, et il faudra que je le coupe parce qu'il est assez long aussi. Mais sinon sans, à part ça, la qualité est assez lourde. J'aime beaucoup la qualité de ce pantalon là. Quand même Zara, leur prix maintenant c'est un délire quoi. Je crois que le pantalon m'a coûté 50 livres. Et le pire c'est du 100% viscose. Ok, donc si je le mets à la machine il y aura des... Chez Garen Minel, ils m'ont envoyé des pièces. J'ai choisi cet ensemble là, un peu qui fait un peu délire. Slipper, donc vous avez la veste avec des boutons. Je vais vous bien montrer. Ça fait un blazer en fait, un blazer assez chic. Je vais essayer de shooter ça la semaine prochaine ou bien quand je serai sur Paris. Donc c'est un blazer comme ça. Ils l'ont en orange je crois et en beige. Donc j'ai pris ça. C'est plutôt assez sympa.
Voilà. Je mettrai tous les liens en bas de tout ce que je vous montre là actuellement. Et là, vous avez le pantalon. Donc, c'est juste un pantalon pas très long, mais ça arrive, je crois, au niveau de la cheville. Voilà, donc ça fait assez expensive quand même quand vous voyez ça. Ça fait super, vraiment bien habillé. Voilà, quand je vous ferai la vidéo, de toute façon, vous allez bien voir ça. C'est vraiment très, très, très joli, quoi. Mais bon, c'est du nude. Et l'autre couleur, je n'aimais pas trop. C'est pour ça que j'ai préféré choisir cette couleur-là. Et j'ai pris une robe comme ça. Mais cette robe-là, je ne sais pas si j'aime vraiment cette robe. En fait, je l'ai essayée et je n'ai pas trop aimé le rendu. Mais sur le site, j'aimais bien comment ça faisait. Et sur une autre dame aussi. Donc, c'est une matière assez riche. On dirait que c'est de la soie même. Attendez, je vais regarder. La plupart des pièces comme que j'ai à choisir avec Karen Millen, c'est vraiment de la bonne qualité, je trouve, leurs affaires. Et j'ai toujours des compliments, en fait, quand je porte leurs affaires. Pourtant, c'est du viscose aussi, hein. C'est du viscose. Voilà, donc ça, c'est un truc à laver à 30 degrés. Voilà, donc vous avez une petite ceinture, c'est une robe assez longue, 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 avec des motifs, ouais, des imprimés orange, vert, rose, voilà. Mais bon, quand je l'ai reçu, j'ai pas trop trop aimé, mais je vous montrerai dans le haul. Voilà, donc vous avez aussi, je voulais aussi vous montrer en fait les équipements que j'ai eu à utiliser la dernière fois. Donc je vous avais déjà montré déjà ce que j'utilise pour éditer. Donc pour éditer, j'utilise mon MacBook Air et j'utilise tout simplement un disque dur externe, l'acide 1 TB. Mais je vous ai dit que je vais prendre quelque chose de plus gros, avec une plus grosse mémoire. Vu tout le contenu que je fais, j'ai besoin d'assez de mémoire. Voilà, c'est important d'avoir un disque dur. Si vous avez un ordinateur ou un laptop, ne faites pas l'erreur d'enregistrer vos contenus, photos, vidéos sur votre ordinateur. Téléchargez tout sur votre disque dur externe. Voilà. Donc j'ai acheté ce trépied-là qui vient avec une télécommande en fait, qui est super pratique pour faire les réels et les TikTok, même pour faire des photos. Ben, c'est ce que j'ai utilisé pratiquement tout le week-end passé. Et les photos, ça sont plutôt bien passées. Je les ai postées sur Insta et même les vidéos, c'était super. Surtout moi, c'est super bien parce que moi, j'aime bien faire les retouches de soins. Donc, j'ai pris ce... Oh là là. J'ai pris ce trépied-là. Donc, c'est un trépied qui vient avec tout simplement le support pour pouvoir mettre votre portable dessus, comme ça. Et c'est bien parce que c'est... Mon Dieu, il y a mes voisins qui mettent la musique comme ça. C'est indispensable si vous n'avez personne pour vous prendre en photo, que vous avez besoin de prendre des photos toute seule, de vous filmer toute seule. Réel, si vous faites du contenu sur... des contenus réels ou des contenus TikTok, c'est un must-have. En plus, il y a la télécommande qui marche parfaitement. Vous pouvez utiliser la télécommande aussi pour vous filmer ou pour vous prendre en photo. Et le portable que j'ai actuellement, c'est un iPhone 13 Pro Max. C'est ce que j'utilise aussi pour prendre mes photos. Mais en général, je préfère beaucoup plus prendre mes photos avec mon appareil photo qui est un Sony Alpha 6000. C'est ce que j'utilise normalement pour prendre mes photos. Donc, je mettrai les détails des lentilles tout juste en bas. Et franchement, moi, le conseil que je peux vous donner, si vous avez une bonne caméra, le seul truc dans lequel il faut vraiment investir, c'est tout simplement des bonnes lentilles. Et moi, je trouve que vraiment, Sony, ils font vraiment de très belles images. C'est vraiment très, très joli. J'aimerais avoir, par contre, le Sony 7000, je crois. Beaucoup de filles utilisent ça pour faire des vidéos. Et les vidéos, la qualité sort vraiment impeccable. Mais en général, tout passe normalement par la lentille. Mais en fait, la différence, c'est pour ça que j'aime bien utiliser le Sony Alpha 6000 pour faire mes photos, parce que je trouve que ça fait un autre rendu par rapport au Sony Alpha 5100 que j'utilise beaucoup plus pour vlogger. Donc là, je suis en train de vlogger avec une différente caméra. Je ne sais pas si vous allez voir la différence entre ce que j'ai filmé avant et maintenant. Donc voilà, donc j'ai deux caméras, j'ai deux lentilles. Il y en a une caméra que j'aimerais vendre et peut-être aussi vendre celle-là pour prendre une meilleure caméra. Voilà, maintenant j'ai aussi une lumière que j'utilise, donc c'est Yongnuo, je sais pas, je mettrai le lien en bas. Donc c'est venu tout seul, donc ça vient avec deux batteries comme ça, que vous pouvez charger avec la prise du courant. Et le trépied, ça c'est ce que j'avais pour mes ring light Neewear. Donc les ring light Neewear m'ont lâché, donc j'ai dû acheter ça. Mais j'utilise pas énormément ça de temps en temps, parce que je préfère filmer à la lumière du jour en fait. Je trouve que la lumière naturelle c'est le best.
Voilà, mais bon, quand on fait du maquillage ou bien donner des tutos, tout ça, souvent c'est mieux d'avoir beaucoup plus de luminosité. Voilà, mais moi j'en fais plus trop de make-up, mais bon, c'est toujours bien vraiment aussi d'avoir de la lumière parce que ça vous donne une meilleure qualité. Voilà, donc vraiment ce concours que je fais, c'est pour vous remercier du soutien que vous apportez sur ma chaîne. Je vous vois toutes commenter, mettre des likes, me féliciter, me supporter, que ce soit celles qui sont ici ou celles qui sont aussi sur Instagram. Pour celles qui me suivent sur tous les réseaux sociaux, vraiment, je vous dis en fait vraiment merci. Ça fait énormément plaisir, ça touche. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Cette semaine, j'ai posté deux fois. Bon, j'ai eu un peu de retard. La semaine passée, je pense que je n'ai pas posté. Et les vidéos vont revenir plus régulièrement. La semaine prochaine, vous avez sûr et certain deux vidéos mode qui arrivent. Comme je l'ai dit, il y aura un mini haul, mais ce sera haul avec des essayages et de tenues complètes. Voilà. Donc là, je vais arrêter le vlog. Là, j'ai mis Green Mothers Club sur Netflix. C'est une série coréenne que j'aime beaucoup. C'est toujours à peu près un peu les mêmes dramas qu'il y a. C'est plusieurs femmes qui sont toujours en train de d'être derrière leurs enfants, avec leurs enfants. Et un peu, il y a beaucoup de jalousie, un peu des concurrences et tout. Bref, donc voilà, il y a ça que je suis. Actuellement, il y a aussi Tomorrow que je suis. Et là, j'ai commencé Savage Beauty, mais je me suis endormie. Donc là, je vais suivre ça ce soir après avoir tout simplement fini de faire mon montage. Voilà, le pyjama que je porte, c'est Naplanchwear. Je mettrai le lien tout juste en bas. Tous les liens seront en bas. Et que le meilleur gagne pour le concours. Bisous, bye bye.